Radio Transmondiale a présenté à travers la Bible. À travers la Bible, c'est une série étude biblique que Dr. G. Vernon Magui t'a préparé pour aider à comprendre plus bien la vérité qui gagne dans la Bible qui c'est parole mon Dieu. Présentateur, Pasteur Storly Michel. Bienvenue dans l'étude à travers la Bible pour journée 1. Moi, content que bon Dieu fait nos grâces pour nous ensemble et une fois encore pour nous réfléchir sur la parole bon Dieu hein, qui c'est la Bible. En nous prochain côté bon Dieu dans la prière. Ma bao gloire pour ça où y est et pour ça où fait pour nous, Seigneur. N'a remercié pour parole là qui montrait nos volontés. Aidez-nous à rester obéissants pour nous écouter et pour nous appliquer, ça nous entendait. Aidez-nous à rester humbles pour nous qu'à reconnaître que ce n'est pas ni intelligence nous, ni bon comprendre nous, qui permet de nous apprendre ou bien interpréter un rien dans la Bible, mais c'est plutôt présence de l'esprit dans la vie. S'il vous plaît, retenez-nous, dirigez-nous, protégez-nous. Depuis qu'on y est pour tout temps. C'est dans nos petits tout Jésus nous prions. Amen. Aujourd'hui, nous allons étudier Matthieu chapitre 11, verset 7, rivé dans Matthieu chapitre 12, verset 10. Matthieu chapitre 11, verset 7, rivé dans Matthieu chapitre 12, verset 10. Nous avons commencé avec partie qui dit Jésus rend Jean-Baptiste hommage. On nous lit Matthieu chapitre 11, verset 7 à verset 9. Les partisans Jean yo alfa routio Jésus prend palais avec foule là sous Jean. Li dit au comme ça. Ça nous t'est alloué dans le désert. Yon pied roseau vent à psouke? Non. Mais qui ça nous t'est alloué même? Yon homme habillé avec belrade? À la moun qui mette belrade, c'est kay wa yo joigne yo. Manye dim qui ça nous t'est alloué même? Yon prophète? Oui. Moi-même, moi dis non. Li pi plis passe yon prophète. Ici là, nous ka wè que Jésus a prend défense Jean-Baptiste au cas où quelque monde t'a gen intention critique. Gade ki Jean Jésus a parlé sou caractère pour toi garçon ça. Jésus a démontré Jean servite bon Dieu ça, c'est un homme original. Jean Patillon Pierre Roseau vant ap souke, au contraire, si nous t'a gen pour nous t'a fait comparaison ça, nous t'a doué dit c'est Jean qui t'a vant ça qui t'a souke Pierre Roseau yo. Jean c'était un homme fort. Il était même plus passé un prophète. Il était supérieur passé n'importe quel prophète ancien testament yo. En plus qu'il était un prophète, c'est dans lui tout en pile dans prophétie ancien testament yo qui accompli. En verset 10. Mais ça qui était écrit sous Jean. Même abvoyé messager m'en devant. Li va l'ouvrir chemin en devant pour. L'ancien contrat, n'a besoin de texte dans Malachi chapitre 3 verset 1er. Et ici là, Seigneur a montré nous que prophétie ça, t'est accompli vrai dans la vie Jean-Baptiste. Si vous voulez, nous capable Malachi 3 verset 1er, on fait ça. Malachi 3 verset 1er, il dit,
Seigneur parle, lui dit comme ça, même envoyer messager moi devant pour préparer un chemin pour moi. N'a prêté comme ça, n'a pour Seigneur n'a plaidé chercher à venir dans temple là. Messager nous t'ai envoyé à mais l'a venir pour faire tout le monde connaître contrat. C'est Jean-Baptiste qui t'est messager. Seigneur t'a choisi Jean-Baptiste spécialement pour te présenter Messie by peuple Israël. Matthieu chapitre 11 verset 11. Ça m'a dit nous là, c'est vrai oui. Dans tout le monde qui fait sur la terre, pas gagnon qui plus conséquent passé Jean-Baptiste. Malgré ça, monde qui plus petit dans pays roi qui dans ciel là, plus conséquent passé. En pile froid comme l'homme, nous qu'on a réfléchi pour demander qui laisse un gros personnage dans Bible qui est important. Donc on a comparé par exemple Abraham avec Moïse, Moïse avec David et la trier, mais Jésus fait une déclaration intéressante ici là pour dire nous que pas gagne un dans l'ancien contrat qui plus conséquent passé Jean-Baptiste. Verset 12. Depuis sous temps Jean-Baptiste jodia pays wa qui dans ciel là en bas gros goumen. C'est monde qui compte goumen qui a entré là-dedans. M'pense elle très difficile pour yon monde à interpréter verset 12 là comme ça droit parce que goumen y a parlé de li a li capable yon bagay interne ou bien externe. Depuis le commencement ministère Jean là a commencé à présenter message royaume là, c'est avec violence que ni monde qui était contre li yo ni monde qui était pour li yo te réagi. Mais malgré tout, non pas qu'a dit exactement ce qui violence il n'y a pas ici là dans verset 12 là. Je pensais peut-être que verset A capable d'appliquer ni pour violence interne ni pour violence externe. Verset 15. En vain Jean-Baptiste est arrivé, tout prophète yo ensemble avec la loi Moïse n'ont été parlé sur pays mondial. Si nous voulons croire, Jean-Baptiste c'est Élie qui t'est gain pour venir. Si nous gain oreilles pour entendre, tendez. Si on seulement lit passage ça en courant, ou qu'a pensé qu'il y a une contradiction entre verset 10 avec verset 15 là. Verset 10 là parlait des messagers qui viennent pour venir, hein? Et verset 15 là dit Jean-Baptiste c'est Élie. Bon. Ce qu'il a dit en réalité dans verset 15 là, c'est que Jean t'est venu dans l'esprit prophète Élie. Si mon entend Jésus yo t'est accepté, m'kwe Jésus t'avait établi gouvernement là, la même sur la terre, et si ça t'est fait, Jésus t'avait tourné une raison qui t'a cause que Jean-Baptiste accomplit mission Élie. Si vous lisez dans Jean 1er verset 21, ou après que Jean lui-même lui t'a dit qu'il n'est pas Élie. Jean, c'est pas Élie qui ressuscité ou bien qui réincarné. Dans Luc chapitre 1er verset 17, Jésus t'a dit, si Juif y recevoir comme moi, eh ben, Jean t'a pas accompli tout ça y'a dit sous l'Ancien Testament. Cependant, comme on connaît, c'est pas ça que t'es fait. Donc, à cause de ça, Jean, pas arrivé à accomplir tout ça y'a dit sous prophète Élie. C'est dans ton cap vini yo, prophétie ça yo, va arriver à accomplir. On connaît, si raisonnement ça que m'sot fait là, va pousser quelqu'un demander, ah, mais si c'est comme ça, Jean-Baptiste t'a doué Élie si Seigneur t'a établi gouvernement sur la terre. Réponse là, c'est oui, li t'a doué Élie. À toi, demander, mais comment ça t'a va fait? Bon, m'doué dire la vérité, m'pas connaître. M'pas connaître comment ça t'a va fait, mais m'connaît c'est ça Seigneur a dit lui-même. Comme l'homme, nous devons comprendre et accepter que c'est pas tout ça Seigneur a fait que n'a pas arrivé à expliquer ou bien qu'on n'a pas arrivé à comprendre. Gen bagay qui dépasse les limites nous. Gen plusieurs aspects dans réflexion à faire là qui basé sur supposition et laisse yon supposition à faire, c'est seulement bon Dieu qui connaît qui ça t'a arrivé. C'est bon, non? Gen quelques bagay nous connaît pour certains. Par exemple, nous connaît c'est une réalité que Juif yo te refusé Seigneur Jésus qui fait l'idée principale verset ça, c'est pour ta faire nous que prophétie a pour qu'on accomplisse. Dans verset pi devant yo, Seigneur va bailler une série parabole. On t'a dit une série de paraboles ironiques, une série de paraboles comiques, mais qui touche en pire. Li pas de bailler histoire ça yo pour déranger ou bien pour blesser personne.
mais l'étape by illustration ça yo sur yon gros vérité qui doit faire nous réfléchir journée jodi a. On nous lit verset 16 à verset 17. À qui moun mwen ta comparé moun kap viv nan tan ale ki le yo? Yo semble ti moun ki chita sou place publique. Yon apre le lot pou dil kon sa. Nou jwe mizik chou pou nou ak fif nou, nou pa danse. Nou chante chante ki tris pou nou, nou pa kriye. Ti moun ki avek nou yo nan program nan, jodi ya, e ki abitye jwe avek ti zanmi yo nan la ri ou bien nan la kouka e la, a comprendre parabole ça très bien. Imaginez un groupe petit monde qui dit on a fait jouer l'enterrement. Yo fait jouer l'enterrement pour un petit moment et puis yo bouke aval et yo dit on a fait jouer mariage plutôt. Yo pas même commencer à jouer mariage là, yo te get fatigué aval et yo quitte tout. Yo pas comme ça yo vle, yo sorti dans yon y aller dans l'autre. Yo fait va et vient sans arrêter. Jésus dit c'est comme ça mon non génération l'entayé et malheureusement c'est comme ça nous y est toujours dans jodia non pas comme ça nous vrai. Verset 18. Jean-Baptiste vini li pas manger li pas boire yo dit li gen yon mauvais esprit solé. Jean te yon moun sévère qui te gen pile discipline li était toujours à faire jeûne dans désert. Et c'est à cause perfection ministère là qui fait yo te rive à Kizel pour yo dit qu'elle était gen mauvais esprit solé. Mais travail Jean-Baptiste yo te bay preuve que c'est faux accusation yo t'a fait solé. Donc dans verset 18 là, Jésus dit Jean-Baptiste vini li pas manger li pas boire, yo dit li gen yon mauvais esprit solé. On voit qui ça dit dans verset 19 là. Moi-même, mon bon Dieu voyait dans la chair, moi vini, moi manger, moi boire. Yo di, gade yon homme, si manje ak boue a sel konen. Se zan mi percepte contribution ak moun kap fè sa ki mal liye. Men tout, le nouwe résultat sa bon Dieu fè, nou reconnaître se li même nan bon comprendre li ki gen raison. Se paske Jésus te kon pale ak moun kap fè sa ki mal yo, se paske el te kon participe nan réception ensemble avec yo, ki fè yo tap pale le mal. Pour yo faire faux accusation pour dire que l'été yon grand manger et yon boisson yè. Si vous regardez dans l'église là, on capable jouer même réalité ça à tout, moun yo pas contre ça yo vle dans l'église jounen jodi a. Et, par exemple, gen quelques moun qui paraît même yon prédicateur parce que yo dit, oh, prêche prédicateur en trop faim, j'sais pas contre prêcher et la trier. Donc, prédicateur allez. Donc, là, on l'autre prédicateur vini, yo paraît même non plus parce que yo dit le trop sévère. Zami, gen un peu mon l'église qui pas jamais satisfait. Yo toujours gen yon bagay pou y'a critiqué, yo toujours a fait zan. Ça a fait, je dis en toujours, même Jean Sateye, nan jou Seigneur Jésus ta vie sur la terre. An nou rentre kon y'a nan pati ki rele, Jésus a annoncé malè pou la ville yo. Jésus a annoncé malè pou la ville yo. Kounian on t'a dit bateau en change bout. Jésus c'est roi qui t'est gain pour venir. Jésus présenté le témoignage li, on t'a dit les créances li, les fait miracle, li prêché sur la loi royaume non et il présenté tête li bay tout le monde. Mais malgré le fait tout bagage ça yo, malgré li bay toute preuve ça yo, juif yo t'est refusé accepter. Yo te refuse le carrément, yo di yo pa vle. Kounye a to, réaction ou va la cause ki ou va ba yo sentence yo. Ou a kounye va refuse yo tout. Et c'est toujours comme ça, vraiment comprendre ça. Et m'a dit ça fort pour tende. C'est ou a qui toujours gen dernier mot. Donc faut faire attention un peu. N'a pli Matthieu 11, verset 20 et 21. Laisse à Jésus prend fait moun la ville côté elle te fait pi fo miracle yo reproche parce que yo pas tourné vin joine bon Dieu. Li di yo malè pou nou moun la ville Corazin. Malè pou nou moun la ville Bethsaïda. Parce que si miracle qui fait nan mitan nou yo, c'est nan mitan la ville Tyr ak la ville Sidon yo te fait gen longtemps
moun sa yo ta mete rad sak sou yo, yo ta kouvri ko yo ak san di fe pou fe wè yo vle tounen vin jwenn bon Diye. Korazin avec Betsaïda te sitye nan nan peyi ya. Yo te tout près Capernaum côté Seigneur te établi cette opération là. Li te fè an pil mirak nan region sa yo, mais yo te repoussé ki fè kouye ya la ba yo sans tension. Verset 22. C'est peut-être ça m'a dit nous jou jugement y a pini nou pi red passe moun la vil tir ak moun la vil si don yo. Lumière toujours créer responsabilité. Si ou bien comprendre ça qu'a dit là, Seigneur Jésus pas de gagne un ministère dans la ville Tyr ni dans la ville Sidon. Mais il était gagne un ministère, un grand ministère dans région nord, la mer Galiléa. Bon Dieu va juger les hommes à la ville yo selon présence lumière yo te recevoir. Et ville tant que Corazin vil dan ko Betsaïda avec Capernaum m'ta dit c'est la lumière te chita même parce que Jésus t'a vive parmi yo li te fait un pile miracle nan mitan yo et ça te ba yo plus responsabilité. C'est ça que fait m'croit nan dernier jour yo va gen grade va gen niveau nan punition yo tant ko nan récompense que yo va bay si la yo ki te gen opportunité pour tourner vin joine Seigneur ou bien si la yo ki te vire do bali yo ki te refize aksepte la. Ki te mdi sa en passant, m pa konnen ki sa bon Dieu va fè avec moun sa yo ki rete nan yon zone kote bagè l'évangile et kap adore idol. M pa konnen non plis ki sa grand wa va fè avec moun sa yo kap mache l'église chak dimanche ki pa konverti vre. Mais sa m konnen se ke moun ki nan limye a va resevwa yon pi gwo jijman passe moun ki pa nan lumière. An nou wè ki sa Seigneur va di la ville Capernaum kote l te gen sans opération la. Verset 23. Nou même tout moun la ville Capernaum. Nou ta vle yo leve nou jouk nan ciel la. An ben y a desan nou jouk an ba kote mo yo yer. Parce que si mirak ki fèt nan mitan nou yo, si nan mitan la ville Sodom yo te fèt, li ta la jouk jodi yer. Mkwe, parol sa a pi di pase lot parol yo. E se wa mem, se jij la mem ki te di yo. Sa merite pou n'balan pe l'importans. Paske jan sa ye la a, pito yo moun ta mam yon tribi bien loin, yon tribi bien fon an Afrik ki pou jom tan de pale de Jezi, pase pou ta yon gwo ofisye kap dirije l'eglize e ki pou ko jom konvertire. Seigneur présente nous réalité à bien clair. Sodome et Gomorrhe, c'était une série de villes terribles qui étaient chargées avec péché. Et nous voyons que bon Dieu était obligé de détruire, il était boulé, et nous avons tout vivant dans yo. Mais, Jésus dit, jou jugement, il a toléré la ville sa yo plus parce que moun sa yo, tant que nous-mêmes jodi, qui tendait message Jésus et qui refusait accepter. Zamim, est-ce que j'aime faire un petit réfléchir sur ça? Le fait que autant des paroles m'ont dit, ça vient bao plus responsabilité et ça vient rendre nous coupables plus. En nous livre verset 25 là. Laisse à Jésus dit, oh papa, vous-même qui mettez cela à terre, moi dis vous merci en pile d'après bagay ou te caché dans j'ai gros savé avec mon esprit yo. Ou dévoiler yo by tipiti yo. Tit met ciel la ak terre que nous jeune nan verset 25 lan, nous te déjà rencontré dans Genèse chapitre 14 verset 19. Côté yo te rele bon Dieu pas même non ça, met ciel la ak terre. Jésus c'est met ciel la ak terre. En pile ça veut pas jamais accepter vérité ça, mais gen en pile ti moun qui comprend ça très bien. Ça fait quelques années, il y a un docteur, il y aurait le docteur Ironside, qui fait une déclaration pour te dire, toujours mettez petits bonbons, côté qui pis bas sous étage, yo, pour petits mounio, capable de prendre, yo. Toujours mettez petits bonbons, côté qui pis bas sous étage, yo, pour petits mounio, capable de prendre, yo. Si vous prêchez pour petits mounio, capable de comprendre,
Eh ben, c'est certain, grand monde va comprendre tout. En on lit verset 26 et 27 dans Matthieu chapitre 11. Oui, papa, moi, ça passait comme ça parce que c'est comme ça où tu voulais li. Papa, moi, mette moi tout bagay. Personne, pas qu'on qui laisse mon petit laïe, excepté papa. Comme ça tout, personne, pas qu'on qui laisse mon papa aïe, excepté petit là, ak mon petit là, vle fè konnen li. On capable dire que verset ça yo pote un changement drastique et définitif nan message Seigneur. Au commencement, Seigneur t'a adressé la nation Israël. Il t'a prêché yo et il t'a dit tournez vin joine bon Dieu parce que bon Dieu qui roi dans ciel là a vinn prendre pouvoir nan men. Jésus t'a présenté les créances li men yo pas recevoir comme messie, yo pas recevoir comme roi messie ça qui te gen pour venir. La ville que nous voyons Seigneur sot mentionné yo te viré do bali même genre avec la ville Jérusalem. Kounye a Seigneur les même li viré do bayo. Kounye a Seigneur va viré do bay nation Israël là. Li pa présenté juif yo gouvernement là encore. Kounye a Seigneur préparé le pour la sur la croix. Kounye a invitation là c'est pour n'importe monde qui accepte elle. Sans faire distinction race, distinction croyance ou bien distinction nationalité. Annons les versets 28 à verset 30. Venez joindre moi, nous tous qui bouquet, nous tous qui en bachaille, ma soulager nous. Prends jouk moi, mettez le sous épaule nous. Prends les son en main moi. Parce que moi doux, moi toujours soumettre moi tout bon devant mon Dieu. Comme ça, na vie va qu'est poser. Parce que, jouk ma banouan facile pour poter. Chaye ma banouan palou. Langage ça a vraiment différent avec langage que dans le commencement chapitre là. C'est un coup ta sorti dans une tempête neige pour aller dans mitan yon désert chaud. C'est un coup ta sorti dans ténèbres pour entrer dans lumière. Seigneur fait yon lot approche ici là. Seigneur a suspend adressé à toute une nation pour capable parler à yon moun à la fois. Pour parler à coup, pour parler à moi individuellement. Et c'est là, Seigneur a pas fait une invitation collective, non? Mais c'est une invitation personnelle pour capable rentrer dans le repos. On aurait remarqué tout que chaque Seigneur a parlé de là, c'est pas un sac patate ou bien un sac d'iri. Qui a besoin de lever, mettre sous épaule, mais plutôt la parler sous péché qui accable nous. Zamim, péché lou en pile, oui? Li pile lou passe yon sac d'isel. Péché koko be moun, el menen nan la mort. Ou capable de jouer un passage qui parle sous péché, sous chay péché dans Esaïe et dans livre Somme tout. Esaïe 1er verset 4 dit, malè pou peyi nou an, kote tout moun a viv nan peche. Malè pou pep ki plen krim sou konsyans yo. Pou ras moun sa yo kap fè sa ki mal. Pou bon pitit sa yo ki fin peveti. Yo la ge piye bondye senye a. Yo pa okipe bondye pep Israel la ki yon bondye a pa. Yo vire do bali. Somme 38 verset 4 va di nou, peche myo fè pil. Yo couvri tête moi. Y a crasé m tant que yon chay qui trop lou pour moi. Zanmim, chay péché trop lou pour poter. Yon seul côté dans le monde où ka déposer chay péché pour râler yon ti souffle, c'est sur la croix. C'est seul Jésus qui ka soulagé nou ak péché parce que li té déjà payé prix péché nou yo sur la croix. Jouk jounen jodi a. Les continuer à inviter au côté chay péché au yobali. Les parer pour pardonner et là-bas au liberté, là-bas repos. Matthieu 11 verset 28 parlait sur délivrance péché à Messie Jésus-Christ. Verset 29 à verset 30 parlait sur sanctification pratique dans la vie en chrétien. Jésus bail un repos et repos ça c'est ça nous relait rédemption. Chrétien joint repos
les remet tête li by Christ dans consécration. Pote joukou yo ba li, vle di, remet tête ou ba li. C'est là ou pote tête ou by Christ que ou rentre dans repos. Kounia, nous va rentrer dans Matthieu chapitre 12. Thème Matthieu chapitre 12, c'est difficulté ministère et division en Jésus avec chef religieux. Matthieu chapitre 11 te présente nous comment Jésus te repoussé si là yo qui te choisi viré d'obalio. Matthieu chapitre 12 va ban nous évidence attitude hosté chef religieux te gagné, continue Jésus. L'important pour nous voir que c'est question observation jouée pour qui était la cause division finale là. Jésus t'a déclaré que c'est lui qui met sa barre et pharisiens yo pas de qu'attendre causer ça dit tout. Qui fait depuis l'heure t'a fin faire déclaration ça, yo t'a commencé à marrer complot pour yo t'étouiller. Depuis l'heure ça, yo pas jamais suspend attaquer. Jusqu'là yo t'a rivé faire clorel sous quoi. Matthieu chapitre 12 va finir avec parole côté Jésus a démontré que les gagnants famille qui plus important par ces familles naturelles là. Il va déclarer que c'est monde qui fait volonté papa qui vraie famille. Plus na petit du Nouveau Testament, hein, c'est plus nous va comprendre comment l'important pour yon monde entrer dans famille Christ là. Il y a plusieurs passages qui parlent de ça, tant que Jean 14 verset 20, Jean 17 verset 20 à 23, 2 Corinthiens 5 verset 17. Galates 2, verset 20, Éphésiens 1, verset 3, Éphésiens 1, verset 23, Éphésiens 2, verset 5 et 6, Philippiens 4, verset 13, et Romains 6, verset 8, avec Romains 8, verset 1. N'apprendrez qu'on y a un empathie qui dit, Jésus déclarait que c'est lui qui met du repos, et puis il guérit un homme dans le jour sabbat. En nous lit Matthieu 12, verset 1er. Quelques jours après ça, Jésus t'a passé dans un jardin blé. C'était un jour repos. Disciples ont été grand goût. C'est comme ça, ils ont pris un gras blé, ils ont mangé grenio. Avant de rentrer dans la discussion qui existait et qui existait toujours, sur la question du repos, qui t'aime fort remarquer un bagage intéressant, un bagage qui est important dans le passage ça. Le Jésus t'a déclaré dans Matthieu 8 verset 20 que chaque marron yo gen trou yo mais mon bon Dieu voyé dans la chair pas gen côté pour le poser tête li, c'est pas une déclaration comme ça, une déclaration à la légère qu'il t'a fait. Ou ka wè sit là que pour disciple suivre Jésus t'a voulu dire souffrir grand goût et yo t'a dû marcher tout partout pour ba message royaume là. Nous li connait à Matthieu chapitre 12 verset 2. Les pharisiens ouè ça, yo diront ça. Gade, disipou yo ap fè bagay la loi nou pa permet nou fè gros jour repos. Pharisien yo te akize disipou yo pou di ke yo tap viole jour repos. Seigneur te défend yo. Et li te prend David comme exemple. Songe que Jésus te sorti nan même l'infamie David la. David te fè même sa disipou yo te fè a yon jour repos pour te bay moun ki te avèl yo manje. Là où t'es grand goût. Ou qu'a tout imaginé que discussion ça a pas fini en zamitaï. Mais, là nous déjà arrivé dans Boutlé, donc n'a pas obligé quitter. C'est dans le programme qu'a venu, hein, nous va continuer avec incident ça. Pour qu'on y ait, n'a pas quitté avec Seigneur Jésus qui toujours paraît pour prendre défense, là a pas quitté sans raison. Merci en pile parce que t'es là à nous pour journée pour écouter une autre émission à travers la Bible. Ça va faire nous grand plaisir de recevoir nos nouvelles. Écris-nous dans contact@radio80eh.org ou sinon rlumière@starben.net. Ou capable de voir les tout dans Radio 80eh, boîte postale numéro 1, Morne Rouge, Cap Haïtien, Haïti ou encore Radio Lumière, Côte-Plage 16, Carrefour, Port-au-Prince, Haïti. C'est prière ou c'est pour ou à collaboration radio à Koutea qui permet programme ça possible. C'est Storly Michel qui t'est préparé et produit programme ça pour Radio Transmondiale. Merci parce que t'as écouté, nous va rencontrer à coup yon l'autre fois pour un autre programme. Que bon Dieu béni ou, que parole bon Dieu encourage ou.